Dans le nord du Mozambique, l'accueil de déplacés fuyant les violences à Cabo Delgado est une réalité quotidienne dans la ville de Pemba. Un jour sur deux, des réfugiés arrivent par dizaines sur des bateaux de fortune. Dépassés par la situation, les ONG appellent à la générosité des habitants. Nous avons 7 fois plus de personnes qui ont fui les districts du nord, de 100 à 700 000. Donc évidemment, cela met beaucoup de pression sur les infrastructures existantes, la santé, l'éducation. Gérer la pandémie et les réfugiés est un vrai cauchemar. C'est très compliqué de résoudre ces problèmes car ces personnes vivent dans la précarité. Même leur demander d'acheter un masque pour se protéger est un défi. Pour pallier à l'urgence, la Croix-Rouge a bâti une nouvelle aile d'un dispensaire dans un township voisin. Mais pour la responsable du centre, il faudrait également plus de personnel. Nous avons besoin de plus de soignants. En ce moment, nous sommes 9 et avons besoin de plus parce que l'affluence est plus grande. Nous recevons beaucoup de personnes ces dernières semaines et nous avons besoin de plus de personnel et d'infrastructures. Nous ne pouvons offrir des services complets. Depuis un an, les attaques se multiplient dans la province de Cabo Delgado. Ce conflit aura fait plus de 2 800 victimes, dont la moitié seraient des civils.